Max sur i24 News. Soyez les bienvenus au programme aujourd'hui. L'Inde, troisième puissance économique mondiale d'ici 15 ans. L'ambition de New Delhi est-elle réaliste? Narendra Modi veut y croire. Il multiplie les réformes depuis son arrivée au pouvoir l'an dernier. On reviendra sur sa tournée européenne de ces derniers jours et sur les défis qui attendent son pays dans un instant. Et en Asie, un autre géant démographique entend bien conserver sa suprématie sur le continent. Mais la Chine serait-elle en voie d'essoufflement? Les récents indicateurs ne trompent pas. Inde, Chine, une question d'influence, de leadership. Et on en parlera avec le docteur Franck Khalifa. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. On commence par l'essentiel de l'actu éco à travers le monde en images et on revient d'abord sur les prévisions du FMI. Une croissance mondiale à 3,5% pour 2015, estimation inchangée par rapport à celle de janvier, plus 3,1% pour les États-Unis, plus 1,2% pour la France et globalement ce sont donc les économies dites les plus avancées qui profitent de la baisse des prix des matières premières. A l'inverse évidemment, les émergents et les pays en développement voient leurs revenus affectés et leur élan freiné à moyen terme. Si je devais caractériser ce qui se passe en une phrase, j'utiliserais les mots du directeur général la semaine dernière. Une croissance mondiale modérée et inégale. Et Olivier Blanchard qui est aussi revenu sur le dossier de la dette grecque. Une crise avec Athènes, tout comme sa sortie de la zone euro, ne sont pas à exclure selon lui. Et si cet événement déstabiliserait les marchés financiers, c'est surtout la Grèce elle-même, assure-t-il, qui paierait le prix fort. Une sortie de l'euro serait très coûteuse et douloureuse pour la Grèce. Le reste de la zone euro est en meilleure position pour faire face à ce scénario. Certains pare-feux qui manquaient sont maintenant présents. Et même si ce ne serait pas facile, ce serait faisable. Voilà, et un indicateur concernant la zone euro, la balance commerciale affichée en février un excédent de 20,4 milliards d'euros, une progression de 6 milliards sur un an d'après Eurostat. En Europe toujours, Bruxelles et Google en ordre de bataille. La Commission accuse le géant de l'Internet d'abus de position dominante et a lancé ce mercredi, après 5 ans d'enquête, une procédure, une communication de grief. Google risque au pire une amende de 6 milliards de dollars, 10% de son chiffre d'affaires mondial l'an dernier. Au mieux, eh bien, il faudra négocier un accord à l'amiable. Bruxelles reproche au groupe, qui engloutit 90% des recherches Internet en Europe, de mettre en avant ses propres services. Autre procédure en parallèle, l'ouverture d'une enquête antitrust concernant cette fois Android, le système d'exploitation mobile de Google. Et notez en parlant de high-tech qu'Apple rachète la société israélienne Linx, spécialiste des capteurs photo et caméras miniatures pour appareils mobiles, montant de l'opération 20 millions de dollars. En bref, c'est donc fait. Nokia et Alcatel-Lucent ont officiellement annoncé leur fusion ce mercredi. Le Finlandais propose une offre publique d'échange sur le capital du franco-américain, qui serait ainsi valorisé à plus de 15,5 milliards d'euros. Le nouveau groupe annonce des centaines de millions d'euros d'économies par an. Aucune suppression de postes en France, a promis Emmanuel Macron à l'issue d'un entretien hier entre François Hollande et les PDG des deux entités à l'Élysée. Là, je crois que cette nouvelle étape, c'est celle d'une reconquête, à la fois pour l'excellence technologique française, pour le site de production et le site de R&D France, et aussi pour construire précisément un grand acteur européen. On poursuit notre tour d'horizon de la campagne électorale au Royaume-Uni. Hier, c'était au tour de David Cameron d'étaler ses promesses. Le Premier ministre sortant, conservateur, a mis l'accent sur le logement. Objectif, favoriser l'accès à la propriété pour les plus modestes, et notamment le rachat des logements sociaux. Certaines de ses idées s'inspirent directement de celles de Margaret Thatcher. Vous avez économisé, cette maison dans laquelle vous habitez, c'est votre droit de l'acheter, d'en être propriétaire. Ce rêve d'une démocratie de propriétaires est bien vivant et on va vous aider à le réaliser. Et puis un détour par l'Afrique du Sud où la chef de la diplomatie s'entretenait hier avec son homologue chinois. Consultation autour des relations commerciales et la coopération bilatérale. Les échanges directs en yuan et en rente seront bientôt possibles. Pretoria veut une Afrique plus autonome. Pékin promet des aides à l'industrialisation et des transferts de technologies. En 2014, le commerce entre nos deux pays s'élevait à 22 milliards de dollars, avec une balance commerciale déficitaire pour nous. Mais nous continuons à recevoir des investissements de Chine qui nous aident à nous industrialiser et à développer nos outils de production. Dans notre agenda de coopération industrielle, nous sommes partants pour considérer l'Afrique comme notre priorité.
Et on entame notre double dossier, les géants d'Asie. Géants démographiques, puisqu'un humain sur trois aujourd'hui est chinois ou indien. Et en parallèle, une montée en puissance économique qui n'aura échappé à personne. Ces pays pèsent à eux deux un quart du PIB mondial, la moitié dans 50 ans d'après les experts. On se penche d'abord sur l'Inde, où les réformes battent leur plein depuis un an et l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. Johanna Citruc revient sur les enjeux de sa tournée européenne ces derniers jours. C'était sa première visite d'État en Europe. Du 9 au 11 avril, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est d'abord rendu en France. Avec son homologue, il signe plusieurs contrats et annonce la commande surprise de 36 avions Rafale. Monsieur le Premier ministre, je suis très sensible aux annonces que vous avez pu faire cet après-midi ici à Paris. En matière d'énergie, d'espace, de développement durable et de défense. Et notamment votre volonté d'acheter 36 Rafales dans les meilleurs délais. Narendra Modi s'envole ensuite en direction de l'Allemagne pour inaugurer la foire de Hanovre, le plus grand salon industriel du monde. L'occasion d'améliorer ses relations commerciales avec Berlin. En 10 ans, les échanges entre les deux pays ont doublé. Avec 16 milliards d'euros, l'Allemagne est le plus important partenaire commercial de l'Inde dans l'Union européenne. Bien sûr, nous voulons continuer sur cette voie. Depuis sa prise de fonction il y a un peu moins d'un an, le Premier ministre multiplie les déplacements avec un même objectif, relancer l'économie indienne. Pour y parvenir, il lance une campagne mondiale intitulée « Make in India ». En français, « Venez fabriquer en Inde ». Autre combat, cette fois au sein même du pays, la consolidation financière et notamment la réduction du déficit public, évalué à 6,5% du PIB en 2014. Narendra Modi cible les faiblesses de l'Inde, en particulier les infrastructures, et s'attaque au secteur de l'énergie, bien trop dépendant des importations. Aujourd'hui, nous importons environ 77% de l'énergie dont nous avons besoin. Dans les secteurs du charbon, du gaz et du pétrole. Pouvons-nous espérer réduire ces importations de 10% et pouvons-nous espérer atteindre une croissance de 10% d'ici 2022 lorsque l'Inde fêtera ses 75 ans d'indépendance? Si les 10% de croissance ne seront pas atteints cette année, la hausse du PIB de l'Inde devrait tout de même dépasser celle de la Chine, avec 7,5%. Déjà, le mois dernier, le FMI vantait le potentiel de l'économie indienne. Nous avons discuté de nombreuses questions concernant l'économie de l'Inde et j'ai été en mesure de confirmer mon impression que l'Inde est le moteur de l'économie mondiale. Par ailleurs, l'Inde est consciente de son atout, sa population. Plus d'1,2 milliard d'individus, dont 65% à moins de 35 ans. D'après certains experts, le pays pourrait devenir la troisième puissance économique mondiale d'ici 2030. Et voilà l'ambition de l'Inde, une place sur le podium mondial. On accueille le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur certifié hors classe d'économie. Alors d'abord ce chiffre, 7,5% de croissance est attendu cette année pour l'Inde d'après le FMI. L'Inde qui dépasse la Chine, donc ça devient réaliste cet objectif de devenir la troisième puissance mondiale? Alors, l'Inde est déjà une troisième puissance mondiale puisque en parité de pouvoir d'achat, elle dispose aujourd'hui d'une puissance, elle développe une puissance économique. La Chine première en parité de pouvoir d'achat. La Chine, oui, bien sûr. Mais par rapport, évidemment, 7%, il faudrait les comparer aux 7% chinois. Il faut comparer ce qui est comparable. Dire 7% de croissance, par exemple, pour la Chine, qui est 5 fois plus puissante qu'il y a 10 ans, évidemment, ça... 9 000 milliards de PIB pour la Chine, c'est vrai que ce n'est pas le même, le même calibre. Cette tournée de Modi en Europe, est-ce qu'elle s'inscrit justement dans ses ambitions? Alors, la tournée de Modi, je voudrais l'aborder sur deux volets, un volet diplomatique et un volet économique. Les deux sont liés. D'abord, dire que sur le plan diplomatique, il faut savoir que Modi avait été mis au banc de la diplomatie française lorsqu'il était responsable. Gouverneur. Oui, exactement, gouverneur dans les pays dans la province de Gujarat. Gujarat, c'est Gujarat, je pense. Ou Gujarat. Et donc, il y avait. À
ce moment-là eu des émeutes interreligieuses. Et regardez le retournement de situation, il est devenu aujourd'hui président. Et donc sur le volet économique, aujourd'hui, même si les 137 rafales sont tombées à l'eau, le Made in India est tombé à l'eau, il y a encore ce fabuleux contrat de 37 qui n'est pas encore définitif. On en reparlera peut-être. La croissance, ça ne veut pas tout dire. Il y a aussi l'objectif de développement, infrastructure, l'énergie aussi. C'est ça aussi les priorités. Absolument. Il faut savoir que la croissance est un indicateur purement économique. D'accord, c'est l'accroissement de la production totale de biens et services mesurés en pourcentage du PIB à prix constant, pour être précis. Le développement économique, c'est des critères totalement qualitatifs. D'accord, quel est le niveau de vie, quel est le taux d'alphabétisation, quelles sont les infrastructures, etc. Merci Franck Khalifa. On va parler maintenant de l'autre pays qui entend rester le maître en Asie, mais on commence tout de même à s'inquiéter de la pérennité du modèle chinois. Une activité manufacturière en berne, tout comme les échanges commerciaux qui déclinent, l'immobilier ne va pas mieux, ni d'ailleurs la consommation interne. Bref, pas de surprise, le rythme de croissance ralentit. Alors, est-ce la fin d'une époque? Anthony Lesp nous dévoile ce panorama. Coup de frein pour la Chine. En mars 2015, les exportations ont reculé de 15% par rapport à celles de mars 2014. Une annonce surprise puisque les analystes de Bloomberg anticipaient une hausse de plus de 8%. L'économie nationale n'est plus aussi forte qu'elle l'était. Ce sont là les symptômes très ordinaires de décennies de croissance à toute vitesse. Que fera la Chine maintenant? Si les taux d'intérêt sont à la baisse, les injections de liquidités vont augmenter. Ils vont faire exactement ce que les Européens et le Japon ont déjà fait. Et ce, dans le but d'assurer que l'économie chinoise ne s'effondre pas. Si la flamme du dragon chinois est moins ardente, c'est aussi pour des raisons externes. En cause, la faiblesse de la demande européenne et japonaise, principaux débouchés du marché chinois. La Banque mondiale pointe aussi le rôle des réformes économiques de Xi Jinping, destinées à contenir la dette, mieux contrôler le secteur bancaire et maîtriser les niveaux de pollution. Des réformes nécessaires mais qui n'incitent pas au surdéveloppement. Si les exportations fléchissent, les importations marquent elles aussi le pas. Moins 12,7% pour ce seul mois de mars, un signe évident d'un ralentissement de l'activité interne. Si la croissance du PIB pour ce premier trimestre 2015 est tout de même de 7% selon Pékin, la progression est moindre qu'au quatrième trimestre 2014. Le PIB avait alors progressé de 7,3%. Vous savez, le chiffre est un peu supérieur à ce que nous attendions. Fitch s'attend à ce que le PIB de la Chine progresse de 6,8% en 2015. Si nous tenons compte à la fois des ventes au détail et des investissements d'actifs fixes, qui étaient tous les deux très faibles, le nombre peut sembler étonnamment élevé. Reste que je pense qu'une croissance plus faible ne devrait pas nécessairement être considérée comme de mauvaises nouvelles pour la Chine. Cela signifie que l'économie se rééquilibre vers une croissance plus durable. Même si la Chine obtient encore une croissance à faire pâlir les pays européens, le fléchissement de la deuxième économie mondiale semble inévitable sur le long terme. Signe d'une économie qui arrive à maturité, mais qui pour autant n'a pas assez développé sa classe moyenne et son marché intérieur. Voilà, la demande interne, relais de croissance incontournable pour un émergent et qui reste à stimuler en Chine. On retrouve Eric Lewin à Paris. Eric, bonjour. C'est ça le défi, la mutation du modèle de croissance chinois finalement? On sait que la Chine veut absolument changer de modèle économique. Elle veut s'orienter d'un modèle tourné vers l'exportation, vers un modèle tourné vers la consommation. Et ce n'est pas facile à mettre en place. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque centrale chinoise va sans doute agir. Elle a baissé déjà deux fois ses taux depuis le mois de novembre dernier. Et tout laisse supposer qu'on pourrait voir un QE également en Chine. Vous savez qu'on a eu un quantitative easing aux États-Unis. On l'a eu en Europe et on pourrait l'avoir en Chine, tout simplement parce que les autorités chinoises ne laisseront pas la croissance ralentir. Les autorités chinoises qui doivent également voir que l'Inde fait beaucoup mieux, puisque cette année en Inde, on pourrait avoir une croissance entre 7,8% et 8%, ce qui ferait de l'Inde le premier pays émergent en termes de croissance. Ouais, en tout cas, le levier monétaire pour soutenir la croissance chinoise. Merci Eric. Franck Khalifa, je reviens vers vous. Cette concurrence, on le voit en Asie, elle est claire entre Pékin et New Delhi. Est-ce que l'Inde représente finalement l'équivalent un petit peu pour les prochaines années de ce que fut la Chine dans les années 2000
plus puissant moteur de croissance pour la planète? Je ne le crois pas. Si vous permettez, je m'inscrirai un petit en bémol par rapport à ce que nous avons entendu. Je crois que l'Inde, d'abord, est en proie à des problèmes intérieurs extrêmement importants. Notamment, elle a un IDH. D'ailleurs, c'est bien de parler d'IDH puisque celui qui a mis en place... Un indice de développement humain, effectivement, qui est Amartya Sen, prix Nobel. Et donc, effectivement, un des plus bas. Ils sont, je crois, 140e ou 137e sur 175. Ouais. Donc, il y a ces problèmes-là. Il y a le problème de la dispersion ethnico-religieuse. Donc, tout ça, ça sous-tend l'économique, même s'il y a des pôles d'excellence. En fait, c'est pas assez homogène pour séduire finalement, définitivement les investisseurs. Je crois que l'Inde, malgré le fait qu'elle soit... Au contraire de la Chine. Ouais. Oui, malgré que l'Inde... Parce que la Chine s'est inscrite dans le commerce mondial. Ouais. C'est une puissance... exportatrice. Ouais, qui rassure aujourd'hui. Ouais. Alors la Chine, on le voit, qui fait tout pour entretenir sa croissance. Est-ce qu'elle s'inquiète justement de la vitesse à laquelle les choses semblent évoluer du côté de l'Inde? Alors, est-ce que c'est vraiment une concurrence entre ces deux pays? C'est pas les mêmes modèles. Si vous voulez, l'Inde, comme je vous l'ai dit, c'est une puissance exportatrice, mais... La Chine est une puissance exportatrice, mais l'Inde, elle a privilégié des pôles d'excellence, c'est-à-dire l'informatique, le nucléaire, notamment... Et c'est pas mieux, ça, justement? Ah bien sûr, puisque c'est un modèle qui est plus industriel que commercial. Donc, les valeurs ajoutées sont plus importantes. Ouais. Voilà. Mais la Chine aussi est une puissance aujourd'hui nucléaire. Et puis, la Chine est le premier déposant de brevets au monde. Oui, l'Inde aussi. Merci beaucoup, Franck Khalifa, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur Ag24 News. Gros plan, notamment, sur Google. Et l'information continue. Restez avec nous.